Comment l'Église a déterminé jour fête Pâques-là? Par exemple, Anissa, moi quoi jour fête Pâques-là est tombé 17 avril 2022. Donc Jésus-Christ ressuscité le dimanche après célébration fête Pâques juif. Donc pratiquement pour nos jeunes, fête Pâques, pas Nous nou supposons ouais. qu'on est fête Pâques qui rappelait l'heure qui sorti dans le pays d'Égypte. Le bon Dieu te délivré pour traverser la mer rouge, pour arriver à la terre promise. Donc, c'est ça que nous célébrons dans la fête Pâques. Résurrection euh, Jésus-Christ euh, dimanche qui vient après fête Pâques juif. Mais cependant, euh, juif exactement. Fête Pâques-Yoa, yo tu as supposé célébrer le 14e jour, mois Nissan. Et le 14e jour là, il est supposé coïncider ensemble avec une pleine lune. Donc, pour nous jouer jour de résurrection, il dépend de jour ça. Mais cependant, le jour que choisi pour célébrer euh, fête pâques donc, le jour, ça pas toujours coïncidé ensemble avec le euh, calendrier astronomique. La. Donc, euh, ils ont utilisé une date qui liturgique. Donc, euh, desfwa, li jou, Donc euh, desfwa, est des fois, il pas jamais tombé exactement le même jour. Donc, des fois, c'est des rabbins, c'est eux-mêmes qui annonçaient le jour du vrai. Donc, il pas exactement tombé chaque jour, chaque année. C'est les juif qui supposait annoncer, mais qui le jour pas là à célébrer chaque année. Donc l'Église, les chrétiens, pas d'accord avec ça. Les chrétiens, pas d'accord pour eux dépendre dépendent de juifs qui ne sont pas chrétiens. Pas vrai? Donc nous ne sommes pas capables de dépendre de célébration pas nous. Yon, célébration qui est importante comme ça, qui c'est la résurrection, qui c'est la nouvelle vie, ça, que nous gagnons dans Jésus-Christ. Donc les chrétiens ne pas ça, ils ne pas accepter ça pour eux dépendre dépendent de juifs qui ne sont pas chrétiens. Par conséquent, euh, donc l'église a dit qu'il y a changé ça au lieu pour baser sur euh, jour que juif pour pour prononcer. Donc l'église a dit donc nous prenons le choisir jour pas nos couleurs. Donc comment l'église a fait un jou jour fête pas là. Donc nous supposons partir euh, à partir de équinoxe euh, printemps. Équinoxe printemps c'est 21 mars. Donc après 21 mars depuis la pleine lune qui vient après 21 mars donc dimanche qui vient après pleine lune qui vient après équinoxe c'est dimanche ça que l'église a toujours choisi Coulier comme jour fête pâques c'est peut-être ça fête Pâques-là, il est tomber un jour qui après 21 mars. Parce que 21 mars, si pleine lune tombait exactement 21 mars, donc dimanche-là, c'était un si samedi qui est 21 mars, dimanche-là, c'est si dimanche-là, 22 mars, donc 22 mars-là, c'est les mêmes qu'a fait Pâques. Exactement, premier dimanche après pleine lune, qui vient après équinoxe printemps, c'est jours jour-là que l'Église a choisi comme jour <coughs> Fet pak. Dok, un fwa ke ou gen fet pak la kou li a, dok li fasil kou li a pou jwen jou Dimanche Ramo. E se si ou gen Dimanche Ramo a ki, se 6e... dimanche temps carême donc est facile pour jeune coulia premier dimanche temps carême qui c'est se six semaines avant ou une première semaine euh, temps carême nan. et si avez jeune première semaine temps carême nan donc juste jours avant côté que ou mercredi qui c'est mercredi les saints moins espérer <laughs> nous comprendre explication comment l'église a déterminé jour mercredi les comment l'église a déterminé Joue, faites pas que là. Pour jouer mercredi les cendres, il faut que vous jouiez un jour fait Pac-La. Jour fait pac c'est dimanche qui vient après première pleine lune qui arrive après équinoxe e euh, printemps. Il est facile pour connaître tout. Qui est le carnaval là en Haïti Vous connaissez nos fils, nous, ce carnaval là, nous Tout Nous, toujours, nous qui est le carnaval là tombé à Nisa Qui est le carnaval là tombé à Nisa Donc, pour connaître qui est le carnaval là tombé à Nisa, il faut que vous connaissiez qui le fait pas la tombé. Et si on connaît fait pas par conséquent on tout connaît exactement Mardi gras qui joue Mardi gras a tomber chaque année <laughs>